Une organisation se félicite de la condamnation des gardes du corps de Biya en Suisse. Manifestation anti-Biya en Suisse. L'organisation de défense des droits humains, Mandela Center International, se réjouit de la condamnation de 6 gardes du corps du président Paul Biya par la justice suisse. En appel, 6 gardes du corps de Paul Biya ont été condamnés à des peines pécuniaires avec sursis en Suisse. Et pour cause, ces derniers avaient agressé un journaliste 2019 lors d'une manifestation organisée par un mouvement de la diaspora camerounaise contre la présence du chef de l'État sur le territoire helvétique. Au cours de cette manifestation, les gardes du corps du président ont immobilisé et blessant légèrement un journaliste. Ils ont confisqué plusieurs de ses effets personnels, y compris son téléphone. Cette affaire avait provoqué un incident diplomatique et la Suisse avait convoqué l'ambassadeur camerounais à Berne. Après la condamnation récente des 6 gardes du corps du président camerounais, l'ONG Mandela Center International, MCI, a salué la décision. MCI se félicite de la décision de la Cour d'appel de Genève qui a confirmé la condamnation de 6 gardes du corps du président Paul Biya Cameroun, accusé d'avoir malmené un journaliste en 2019 devant l'hôtel intercontinental de Genève, a écrit l'ONG. Source : Mathurin Hatcha, Actu Cameroun.